Il faut imaginer l'impact qu'ont provoqué ces conférences. L'éloquence sacrée de l'abbé Lacordaire attirait un monde fou, assoiffé de la sainte doctrine et suspendu à l'enseignement du grand rhéteur. Il nous semblait assister à la résurrection religieuse de la société actuelle, s'exclamait Frédéric Ozanam. Le prestigieux prédicateur clamait son enseignement du haut de la chaire de Notre-Dame, et comme il y avait de plus en plus de monde et qu'on ne voulait pas en perdre une miette, certains montaient sur les confessionnaux pour mieux l'entendre. Vous avez compris que l'admiration que vouait Henri Lacordaire à Jean-Marie Vianney était sans borne. Il reparlera d'ailleurs souvent de son entrevue avec le Saint-Curé. Certains disent qu'il aurait destiné sa célèbre phrase à Xavier Dravignan, son successeur dans la chaire de Notre-Dame, et d'autres affirment qu'il l'aurait dite à l'attention du curé Vianney. Toujours est-il qu'il l'a dit. Moi, j'attire les gens sur les confessionnaux. Lui, il les attire dedans. Les deux premières années de conférences ont été un énorme succès. Et à la mesure de ce succès, l'abbé Lacordaire va avoir quelques virulents détracteurs. Et il ne veut pas se bercer d'illusions en se laissant porter vainement par la liesse des foules. Il reconnaît la sympathie qu'on lui a prodiguée. Les uns nous ont traités comme un frère, aventurés dans les régions de la foi, les autres comme un frère perdu dans les ressouvenirs du monde. Nous avons tâché d'être doux envers les uns comme envers les autres, envers le succès comme envers l'humiliation. Dieu, qui est le juge des cœurs, nous a soutenus. Lacordaire réclame donc de l'indulgence à ses détracteurs. Dès qu'une âme rend dans le siècle le son de l'éternité, dès qu'elle témoigne en faveur du Christ et de son Église, ne nous montrons pas plus rigoureux que celui qui a dit « Quiconque n'est pas contre vous est pour vous ». Il ne s'agit pas de suivre les règles de la rhétorique, mais de faire connaître et aimer Dieu. Ayons la foi de saint Paul et parlons le grec aussi mal que lui. Pourtant, l'humiliation des oppositions lui fera prendre conscience de la nécessité d'approfondir sa théologie pour ne pas être pris à défaut de lacunes. Après les deux premières conférences de carême de Notre-Dame de Paris, il va aller à Rome 2 ans pour se former avec les jésuites. Mais c'est chez les dominicains qu'il entre. Non seulement parce que c'est un ordre prêcheur, mais aussi parce que c'est un ordre libre et flexible. À son retour en France, il restaure l'ordre dominicain et reprend les conférences de carême. Ça fait déjà 7 ans qu'il avait interrompu ses conférences de carême à Notre-Dame, et ses premiers mots vont être les suivants. La doctrine est la science de la vie, selon la définition de saint Thomas, est un mouvement spontané. Vous avez compris, c'est un dominicain qui vous parle désormais. Depuis 4 ans, il a revêtu l'habit et il est même le premier dominicain de France depuis leur dissolution en 1790, bravant l'interdiction toujours en vigueur de le porter. Celui qui s'appelle désormais frère Henri Dominique reprend donc en 1843 sa 14e conférence. Les deux premières années, il s'était donné comme objectif de poser les bases de l'enseignement de l'Église, mais surtout de justifier l'autorité doctrinale de l'Église. Ça, il va continuer à le faire. Et il va approfondir un sujet qu'il avait esquissé auparavant, c'est-à-dire l'impact de la doctrine de l'Église dans l'esprit humain.
sur le plan de la raison déjà, et aussi l'impact du don de la foi dans l'esprit de l'homme. Et bien sûr, il s'attardera sur l'un de ses sujets favoris, c'est-à-dire ce mystérieux refus de ceux qui combattent cette doctrine et qui pourtant est la plus éminente du monde. Commençons par évoquer ce mystérieux refus. L'accordaire distingue trois catégories d'hommes: les hommes d'État, les hommes de génie et les gens du peuple. Les deux premiers se sont illustrés dans l'histoire comme les plus farouches opposants au christianisme. Alors, commençons par l'homme d'État. Tout d'abord, l'accordaire a une très haute estime de l'État. Et il est tout sauf un anarchiste. L'État, c'est l'unité et la solidarité d'une grande famille humaine. Ah oui, l'État, c'est une chose sublime et sacrée, et le christianisme n'y a jamais touché. Le christianisme a donc travaillé pour l'État, il a travaillé pour la souveraineté humaine en vue de Dieu et de la patrie. Il a élevé l'homme d'État plus haut qu'aucune doctrine ne l'avait élevé. Mais ça n'a pas empêché les hommes d'État de faire la guerre à la doctrine. La guerre contre la doctrine catholique n'est pas une guerre d'enfants perdus. C'est une guerre civile, une guerre sociale. Et comme cette guerre est depuis 18 siècles toute l'histoire, il faut nous arrêter encore et considérer plus à fond cette passion publique des hommes d'État et des hommes de génie contre cette doctrine catholique. La question est grave, elle est délicate, mais rassurez-vous, je vous traiterai comme Massillon traiterait Louis XIV dans la chapelle de Versailles. Quelles que soient vos exigences et ma bonne volonté, je ne puis mieux faire pour vous que de vous traiter comme le grand siècle traitait son grand roi. Une des puissantes passions de l'homme, c'est la passion de la souveraineté. Non seulement l'homme veut être libre, mais il veut être maître. Non seulement il veut être maître de lui et chez lui, mais il veut être maître des autres et chez les autres. Frédéric II, roi de Prusse, disait: pour en finir avec l'Église catholique, savez-vous ce qu'il faut en faire? Il faut en faire un hibou. Vous savez, messieurs, et cet oiseau solitaire et triste se tient dans un coin avec un air rechigné. Voilà le secret. Nous isoler de tout, de la politique, de la morale, du sentiment, de la science. Nous suspendre entre ciel et terre, sans aucune espèce de point d'appui, pour nous dire, un genou en terre, vous avez Dieu, qu'avez-vous besoin du reste? Nous n'acceptons pas cette situation. Nous tenons à tout, parce que nous venons de Dieu qui est en tout. Rien ne nous est étranger, parce que Dieu n'est étranger nulle part. L'accordaire défend la souveraineté de l'Église. C'est pour ça qu'il défendra aussi la nécessité de la séparation de l'Église et de l'État. Puis, les yeux vers le ciel, il s'exclame: grand Dieu, en présence de cette grande assemblée, étendez votre main sur nous, illuminez les esprits, protégez cet ouvrage que vous avez fait au sein des nations, maintenez la souveraineté de la conscience en regard de la souveraineté humaine, maintenez la distinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. D'où est sortie la civilisation du monde? Ô Dieu, protégez la chrétienté, ô Dieu, sauvez la chrétienté. Avant Jésus-Christ, la conscience humaine avait été faible. Et qu'a fait Jésus-Christ?
Il a relevé la conscience humaine. Il a dit un jour, en lui soufflant dessus, « Reçois le Saint-Esprit. » Jésus-Christ a renouvelé la conscience, il lui a donné une force qu'elle n'avait pas auparavant. Il lui a prescrit d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il l'a armé du martyre contre la souveraineté humaine, dégénérée en tyrannie. Bon, c'est au tour des hommes de génie maintenant. Les hommes de génie tiennent le sceptre des idées, les hommes d'État tiennent le sceptre des choses. Le génie, c'est très bien. Mais il a tendance à se faire piéger par sa propre grandeur et à se croire au-dessus de Dieu. Alors, messieurs, dames, le remède à votre génie, Lacordaire vous le donne. Il s'appelle l'humilité. Il faut que nous soyons de petites gens, des fous pour Jésus-Christ. Nous sommes les seuls qui pouvons triompher sans amour propre parce que notre triomphe ne vient pas de nous. Commencez, messieurs, à être petits, humbles et enfants pour devenir les véritables hommes de génie, les conservateurs, les vases de la vérité et par conséquent pour coopérer à l'établissement sur terre des devoirs, des droits, des libertés, du salut, tous fondés sur la puissance donnée par Jésus-Christ à la conscience et à la foi. Et s'adressant aux hommes de génie, prince de la pensée terrestre, vous avez creusé un puits profond et admirable, mais vous ne l'avez pas rempli. Entre vous et nous, pour tout achever en un seul mot, voici la différence. Nous croyons, vous doutez. Les gens du peuple, enfin. Lacordaire a une grande confiance dans la raison populaire et bien qu'elle ne soit pas instruite, il s'étonne qu'elle se soit levée contre l'Église. C'est ce que saint Paul appelle le mystère d'iniquité. Écoutez Lacordaire nous parler de la raison populaire. C'est le bon sens pratique de la vie. Un pauvre ouvrier dans sa boutique se laissera surprendre à votre philosophie. Et quand il s'agira de donner des maîtres à ses enfants, il ne se trompera pas, il ira droit au véritable maître, il choisira quelques frères cachés sous le froc, méprisés peut-être, mais dévoués. Voilà ce que j'appelle la raison populaire. C'est cette raison qui sauve le monde quand les hommes d'État et les hommes de génie manquent à leur mission et trahissent avec la cause de Dieu et la cause de l'humanité. C'est la raison des hommes de peine, de l'ouvrier, du pauvre, qui s'oppose à l'égarement des hommes d'État et des hommes de génie. Ô peuple, que le Seigneur Jésus aimait, ô peuple, je te bénis de ce que tu as reçu de Dieu assez d'entendement et d'instinct pour lutter contre la trahison de tes maîtres, quand ils abusent contre toi et contre tous de leur force et de leur dignité. Et cependant, messieurs, cette raison populaire, elle s'est tournée aussi contre nous. Et c'est ce qui m'étonne, bien plus que tout le reste. Car enfin, que Dieu abaisse un prince qui lui retire sa lumière pour punir son orgueil, cela se conçoit. Qu'il achève d'humilier un homme de génie égaré, je le conçois. Mais qu'on ait pu tromper ce pauvre peuple, dénaturer ses instincts, qu'on ait pu lui persuader que l'Église, qui est venue le relever, qui a détruit l'esclavage, qui voulait la servir, qu'on ait pu lui persuader de se ruer sur les autels de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il les ait abattus, que ses saints, ses patrons, dont il avait reçu les noms au baptême, il les a foulés aux pieds, qu'il ait profané jusqu'au tabernacle où reposait sans défense
l'objet de ses adorations de la veille. Voilà. Voilà ce qui est inexplicable. Et voilà ce qui s'est vu dans l'Église catholique et ce qui ne s'est vu nulle part ailleurs. Raison de l'homme d'État, raison de l'homme de génie ou raison de l'homme du peuple, cette raison est pourtant faite pour s'accorder avec la lumière de la foi. Il y a en nous deux principes qui s'harmonisent. La raison et la foi rendent le même son de toute éternité, quoique sur un mode différent. C'est la raison volontairement orgueilleuse qui n'entend pas le son de la foi. C'est la foi ignorante qui n'entend pas le son de la raison et ne lui rend pas justice. L'esprit humain qui reçoit la foi est doublement éclairé, car il a déjà la lumière naturelle de la raison, et par surcroît, il y a la lumière surnaturelle de la foi. En raisonnant sur la foi, il fait donc ce qu'on appelle de la théologie. C'est l'autre propos que développe Lacordaire dans ses conférences de carême de 1843. Nous avons fait notre chemin dans le monde et nous voici. Nous voici certains de nous et de notre doctrine. Est-il vrai pourtant que nous ayons une certitude rationnelle du christianisme, c'est-à-dire une conviction réfléchie, souveraine, immuable? Là, il ne parle pas de la foi, qui est une opération de la grâce de Dieu, il parle d'une conviction réfléchie, qui sait le motif de la foi. Et dont l'Église se maintient en possession. Car à tous ceux qui ont voulu la dépouiller de motifs rationnels, l'Église ne l'a pas perdue. Elle a sauvé la raison, elle a sauvé la foi. C'est ce que fait Lacordaire, presque à toutes les lignes. C'est ce qu'on appelle un discours apologétique. Un discours qui ne se borne pas à répéter des convictions religieuses, mais qui les défend rationnellement. Défendre l'Église, c'est fondamental. De plus, elle est l'institution qui est le plus à même de défendre toutes les sciences humaines, car elle est experte en humanité, comme le disait si bien Saint Paul VI. Mais en quoi ? Lacordaire nous l'explique. La doctrine catholique, sous le rapport rationnel, a ses racines dans la métaphysique, dans l'histoire, dans la politique, dans les sciences naturelles. Dans la métaphysique, par l'étude de Dieu et de l'âme. Dans l'histoire, parce qu'elle s'appuie sur des faits qui se sont passés à toutes les époques du monde. Dans la politique, puisqu'elle a changé la face de la société. Dans les sciences naturelles, puisque tout ici-bas exprime Dieu, manifeste Dieu, parle de Dieu, et qu'il n'est pas un arbre le long d'un ruisseau, pas un grain de sable au bord des mers, pas un astre dans le ciel, rien qui ne vienne de Dieu, qui n'aille à Dieu, qui ne subsiste par lui et ne raconte ses lois. En sorte que la doctrine catholique a des liens avec toutes les connaissances possibles. Eh bien, quand on est arrivé au plus haut degré de la philosophie, on n'est pas encore en théologie, car la théologie est une science qui provient de la lumière de la foi, que la raison ne pouvait pas découvrir par elle-même. Est-ce qu'il faut que l'homme escalade le ciel comme Prométhée pour en arracher le feu sacré? Est-ce que c'est l'homme qui, avec ses moyens infimes, doit arracher la vérité du sein de Dieu? Ou bien est-ce Dieu qui doit descendre pour le chercher, le prendre
et l'emporter. Ce qui se passe en nous, quand nous croyons, est un phénomène de lumière intime et surhumaine. C'est la doctrine catholique qui nous apparaît encore, à nous, plus évidente que toute autre doctrine, même naturelle. Nous éprouvons pour elle ce que nous n'éprouvons pas pour d'autres doctrines. Nous sommes affectés à son objet par une lumière que je ne puis mieux désigner que par le nom de translumineuse. Ce qu'il nomme translumineuse, ce n'est rien d'autre que le fait d'être atteint par la lumière surnaturelle. Il faut bien que la puissance mystique soit capable de donner, sans le recours de la littérature, du raisonnement et de la science, une lumière qui surpasse la lumière de la littérature, du raisonnement et de la science. Quand Dieu nous dit, par exemple, qu'il a créé le monde, certainement, je ne me représente pas l'acte créateur. Je ne me représente pas comment on fait de l'être. Par un simple acte de volonté. Mais j'entends parfaitement ce que Dieu veut dire. Je vois très bien que Dieu, pour faire le monde, ne s'est pas servi, comme nous le faisons, d'une matière préexistante. Je ne comprends pas son acte, mais j'entends ce qu'il est. Cette connaissance, quoique incomplète, est une connaissance très réelle qui me révèle en peu de mots tout ce qui est important que je sache sans que je n'aie besoin de l'étudier. En effet, Dieu révèle en peu de mots, mais Lacordaire en utilise beaucoup plus pour nous l'expliquer. Remarquez, c'est normal. C'est la différence qu'il y a entre l'immédiateté de l'évidence de la foi et tout le travail rationnel qu'il faut mettre en œuvre pour l'exposer. Et pour être capable de recevoir cette lumière surnaturelle, mystique, dit Lacordaire, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il faut qu'il y ait une certitude mystique que non seulement il y ait une lumière mystique, mais il faut qu'il y ait dans l'homme un organisme mystique. Et quel est cet organisme mystique d'après vous ? Eh bien, c'est celui des dons du Saint-Esprit. Mais curieusement, bien que Lacordaire en parle, il ne les nomme pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, notre premier dominicain français du XIXe siècle a bien lu saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, la Prima Secundae question 68, où il est question des dons du Saint-Esprit. Fermons cette page aujourd'hui avec Lacordaire qui évoque la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette basilique était fermée. Ces autels de pierre par terre. Cette enceinte déserte. Voici qu'après 40 ans de liberté, ces portes sont ouvertes. Ces autels debout et vous, messieurs, vous réjouissez par votre immense assemblée. Ces vieux murs qui ont tant vu d'or et qui s'étonnent de les voir plus pressés que jamais, je prophétise donc aussi et je vous donne ici même rendez-vous dans 40 ans. Votre sourire, messieurs, m'avertit que je n'y serai pas. Il est vrai que je suis votre aîné et j'en remercie Dieu. Puisque c'est ce droit d'aînesse qui me permet de vous enseigner et de vous ouvrir mon cœur. Mais enfin, vous y serez en 40 ans. Dieu vous donnera ce temps pour éprouver sa force et votre faiblesse. 40 ans après, en effet, le frère Henri Dominique Lacordaire n'est plus là. Mais à 400 kilomètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris,
Il y a pourtant des religieuses qui l'entendent encore, des carmélites, qui viennent de terminer la construction de leur monastère et dans leur bibliothèque, c'est-à-dire là où nous sommes actuellement, elles reliront ces conférences du célèbre prédicateur. Et nous aussi, nous n'en avons pas fini avec ces premières conférences de carême de Notre-Dame de Paris. La prochaine fois, nous aurons l'occasion d'entendre le frère Henri-Dominique Lacordaire nous parler des effets de la doctrine catholique sur l'âme. Conférence de carême de 1844.